c'est un sujet qui est très cher à moi, parce que je crois beaucoup à l'imagerie corporelle. C'est comme toujours mon équipe. Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est pour essayer de vous démontrer que l'angiographie n'est plus le gold standard d'évaluer la sévérité du tremblement. Je parle de conflit d'intérêts. Alors, il faut dire que l'angioplastie du tronc commun n'est pas fréquente aux États-Unis, comme c'est en Asie et en Europe. Alors, en 2011, ici, seulement 0,8% des stents qu'on a mis aux États-Unis étaient pour un tronc commun pas protégé. Alors, c'est moins d'1%. Quelles sont les données qu'il faut considérer pour rentrer dans le sujet du tronc commun? Alors, je vais vous démontrer que l'angio n'est plus le gold standard, le talon or, pour indiquer la revascularisation dans les lésions coronaires. Alors, je dis l'angio est bonne pour les lésions de moins de 40% ou plus de 80%. Mais ce n'est pas précis pour les lésions de 50 à 80%. Et pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de données. Ça, il y a 20 ans qu'on a publié ça avec Gary Mintz, 2500 lésions. On a fait l'IVUS et l'angio quantitative pour le reference diameter. Vous voyez, il n'y a pas de corrélation cliniquement significative. On peut avoir une grande erreur à l'angio si on compare avec l'IVUS. La même chose pour la longueur de la lésion. Pas de bonne corrélation entre l'angio et l'IVUS qui donne exactement la longueur de la lésion. Et regardez ici, 600 stents. Dans les stents, on penserait que c'est très facile à mesurer. L'angio n'a pas de corrélation avec les vraies dimensions à l'IVUS. Absolument pas de corrélation. On peut avoir une erreur fréquemment. Un autre exemple de ça. Ici, on connaît la longueur du stent parfaitement parce qu'on sait qu'on a mis 18 mm, 22 mm comme ça. Alors, on compare la longueur du stent connu et l'angio qui la mesure en KT après. Regardez la corrélation. Très pauvre. Beaucoup d'erreurs. Si on compare ça avec le scanner est parfait pour mesurer la longueur du stent, mais pas l'angio. Alors, il y a beaucoup d'années, Alexander Abizide, qui était notre fellow, a pris 360 lésions de moins de 70% et on a vu l'IVUS et les événements en une année. Et on a appris que si la lumière de la lésion avait 4 mm carrés ou plus, il y avait très peu d'événements, presque pas. Alors c'est là qu'on a commencé, ce qu'on a toujours dit, 4 mm carrés plus on laisse, moins de 4, on met un stent. Et on a fait ça pour 15 ans. Plus d'évidence que l'angio, quantitative coronary angiogram, n'est pas bon. Et si on compare avec le FFR, et ça c'est le docteur Bendor dans notre hôpital, on a fait le MLD, diameter stenosis, lesion length, dans 200 lésions. Pas de relation avec l'angio, ou très pauvre relation. Où le message dit d'une autre façon, à l'angio, on est fréquemment en erreur quand on essaie d'estimer les vraies dimensions de la lésion. Alors l'étape prochaine est venue 12 ans après, 2011. On a comparé les dimensions de l'IVUS qui nous faisait penser à une lésion sévère, 4 mm, et le FFR. Qu'est-ce qu'on a appris? Les lésions qui avaient moins de 4 mm carrés, il y avait 2/3 qui avaient un FFR négatif. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a dilaté beaucoup de lésions qui n'avaient pas besoin. Alors on a dit, qu'est-ce qui arrive si on fait 3 mm carrés? Peut-être on va être plus précis. À 3 mm carrés, encore 50% des lésions n'auraient pas le besoin d'intervention. Alors on a augmenté les cas, on a fait 900 lésions avec notre centre, les Coréens, et on a trouvé la même chose pour le diamètre des sténoses et pour les dimensions.
beaucoup de faux positifs. Alors, on a abandonné les 4000 m², ça c'est 2011, et on a de nouveaux numéros. Alors, pour les vaisseaux de 2,5, 3 et 3,5 mm, les nouvelles dimensions de l'IVU, c'est 2,4, 2,7 et 3,6 mm². C'est un concept très important, et comme je vous dis, on a abandonné le 4000 m². Alors, si on fait le FFR, qu'est-ce qu'on a appris? Et ça, c'est le FAME, que vous connaissez très bien. Et ça, c'est 1300 lésions. Si on prend les lésions de 50 à 70% à l'angio, deux tiers ont un FFR négatif, n'ont pas besoin d'intervention. Regardez ça, de 70 à 90%, lésions qu'on appelait sévères avant, 20%, un de chaque cinq malades n'a pas besoin d'intervention, d'accord à ce qu'on pense aujourd'hui. Seulement quand la lésion est plus de 90%, la plupart ont besoin d'intervention. Pas tous, mais la plupart. Et c'est pour ça que je vais vous dire, on ne peut pas à l'angio décider dans ces lésions s'il faut dilater ou pas. On connaît bien que l'angio peut sous-estimer la sévérité de la maladie coronaire. Une lésion sévère de l'IVA, en CT, en scanner, à l'angio, il n'y avait presque pas de lésion. On fait l'IVUS, lésion sévère dans une IVA grande, 3,4 mm². Un autre exemple, une grande plaque volumineuse au scanner. À l'angio, presque pas de plaque. À l'IVUS, une lésion sévère avec une grande plaque là. Alors l'angio peut sous-estimer. L'angio aussi peut surestimer. Un exemple, on nous a envoyé ce malade pour faire une angioplastie de cette marginale, une lésion sévère. À l'IVUS, on confirme qu'il y a une lésion, mais on fait le FFR. C'est normal au repos et à l'adénosine intraveineuse, ce n'est pas ischémique. Alors ce malade-là, on ne fait pas de PCI, on fait du traitement médical. Et on recommande un non-invasive follow-up. Alors, le premier concept, l'angio ne doit pas être utilisé pour décider l'indication de revascularisation dans les lésions de 50 à 80%. Et ça, c'est un peu une révolution pour nous. Alors, le deuxième concept que je vais maintenant expliquer mieux, l'angio, même quantitative, est surtout imprécise pour analyser les lésions du tronc commun. Des exemples, ça c'est Olivier Miller qui a publié ça il y a longtemps. Une lésion du tronc commun envoyée pour angioplastie, il fait FFR, c'est 0,89. Pas besoin d'angioplastie. Une lésion légère du tronc commun, FFR, 0,68. Alors ça c'est sévère, ça c'est pas sévère. Une autre lésion ici, légère du tronc commun, FFR très positive. IVUS, une grande plaque excentrique du tronc commun. Il y a besoin d'intervention. Et ça, c'est un diapo que vous connaissez tous de Gary Mint. Une lésion à l'angio apparemment sévère du tronc commun. À l'IVUS, pas de lésion sévère. C'est un grand tronc commun, pas besoin d'intervention. Alors ici, Lindstedt a mis 51 malades avec 4 angioplasticiens de l'université. Ils ont fait dire, est-ce que la lésion est significative ou pas sûre? La classification correcte, moins de la moitié des cas, et l'agrément parmi eux, les quatre, un quart de malade, un quart de fois. Alors, à Washington, on a fait de nouveau 122 malades avec un tronc commun, IVUS et angio. Et on a trouvé que c'est pire que dans les coronaires, pas le tronc commun. Une corrélation très pauvre, 0,3, pour le MLD et le diameter stenosis. Regardez ça, à l'angio, on est fréquemment en erreur. Et ça, c'est Jasty, qui a publié 5 ans après nous, il a fait angio, ici, et FFR, le même concept, pas de corrélation du tout. Alors l'angio, fréquemment, était en erreur. Et c'est lui qui a dit 6 mm², c'est la dimension minimum du tronc commun,
pour avoir un FFR négatif. Et c'est pour ça alors qu'on avait dit 6 000 m² ou moins, on traite, 6 ou plus, on ne traite pas. Et c'est ça ce qu'a fait De La Torre en Espagne. Il a publié 350 troncs communs, plus de 6, il n'a rien fait, moins de 6, il a revascularisé. Vous voyez ici que ceux qui ont été traités médicalement et traités avec revascularisation, l'angiosténose était la même. En angio, on ne pouvait pas distinguer entre les deux groupes. De nouveau, comme preuve que l'angio n'est pas précise dans le tronc commun. Et après, beaucoup de vous connaissez les dates de S.J. Park en Corée. Il a fait l'IVUS, le Minimal Lumen Area et l'FFR. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Avec moins de 6 000 m², il y avait de nouveau beaucoup de faux positifs. Tous ces malades-là n'avaient pas besoin d'angioplastie. Alors elle a fait la dimension qui avait le plus de corrélation. Et s'il prend 4-8, sensitivité spécificité beaucoup meilleure. Alors c'est lui qui nous a enseigné, il ne faut plus faire 6 000 m², il faut mettre 4,8. Et apparemment les Asiatiques sont un peu plus petits que nous. Alors, il peut y avoir une petite différence là, mais en tout fait, ce n'est pas 6 mm. Alors, le troisième concept que je veux dire deux mots, et le docteur Fajadeh va probablement vous démontrer qu'il n'est pas d'accord avec ça, et il fait de très bons, excellents travaux sans être d'accord avec ça. Et je vais vous dire, l'imagerie intracoronaire et la physiologie de la lésion est très importante pour faire un PCI du tronc commun. Et quelques données. Ça, c'est Chamilos qui a publié 200 malades avec un tronc commun intermédiaire. Si il fait faire de moins de 0,8, on opérait, plus de 0,8, traitement médical. Et vous voyez qu'avec, si on défère, si on ne fait pas l'intervention, l'évolution est la même. Alors, il n'y a pas de risque de ne pas dilater ce malade qui apparemment avait une lésion significative à l'angio. La même chose avec l'IVUS, ça c'est l'ITRO de De La Torre. Moins de 6 mm, plus de 6 mm. Ceux qui ont été déférés, qui n'ont pas été opérés, ont eu la même évolution ou meilleure. C'est vraiment la même, il n'y a pas de différence significative. Mais il n'y a pas de dommage pour le malade si vous ne dilatez pas la lésion qui apparemment était sévère à l'angio. Et ça, c'est de nouveau les Coréens, le docteur, presque 1000 troncs communs, 3 cas avec IVUS. Et c'est la survie à 3 ans. Et dans sa série pour les BMS et le DES, sans doute avec l'imagerie, la survie est significativement meilleure que sans IVUS. Et il a publié ça un peu plus tard avec un propensity matching des lésions, ça c'était 300 malades de tronc commun, et son IVUS, la mortalité est presque 4 fois plus haute qu'avec IVUS à 3 ans. Et ça, on vient de publier, je l'ai vu à minuit hier soir, c'est un head of print, un JAK intervention. Ça c'est 2300 malades, angiographic guidance, IVUS guidance. Beaucoup moins de mortalité si on fait l'angio guidé par l'IVUS intracoronaire. Un petit exemple de Dr. Park, il y a un tronc commun qu'il faut faire là, et la question c'est, apparemment la circonflexe, l'ostium est bien, on peut mettre un stent comme ça tout droit, mais il fait l'IVUS de la circonflexe, et il apprend qu'il y a une lésion sévère de l'ostium de la circonflexe. Alors il met deux stents avec un joli résultat. C'est un cas qui apparemment a une lésion ostiale des deux branches. Alors il faudrait mettre deux stents. Mais à l'IVUS de la circonflexe de l'ostium, il n'y a pas de lésion là. Alors on met un stent crossover avec un joli résultat. Alors sans IVUS, on ne pourrait jamais faire ce type de travail. C'est en conclusion. Dans la maladie de tronc commun, l'angio n'est pas précise pour décider si on doit faire ou pas une revascularisation, au moins que la lésion soit plus de 90%. Le FFR est maintenant la méthode optimale pour décider dans les lésions 50 à 80%.
finalement, l'imagerie contribue à optimiser l'angioplastie et à improve outcomes. Et un petit commentaire qui est très important pour cette région du monde, c'est le dilemme de remboursement. Le FFR et l'IVUS, normalement, ne sont pas remboursés. C'est comme ça, n'est-ce pas, ici, au Maroc, je pense. Alors, si vous ne faites pas le PCI, c'est bon pour le malade. Et c'est pour ça que nous sommes médecins, nous. Mais l'hôpital va perdre de l'argent parce que vous avez utilisé l'FFR et vous avez dit, on ne fait rien. Alors, qui va payer ça? L'assurance, le malade ne va pas payer, c'est l'hôpital qui paie. Alors, avec ce petit commentaire, je finis. Merci. Merci, professeur Pichard, pour cette intervention qui va certainement influencer nos décisions en matière de prise en charge des lésions, particulièrement du tronc coronaire commun. Et c'est une situation vécue quotidiennement parce que nous avons toujours des problèmes concernant ces lésions intermédiaires. D'ailleurs, vous l'avez bien précisé. Est-ce que ce sont des sténoses? Et c'est une décision qui n'est pas facile pour le patient, pour le médecin, pour toute l'équipe d'ailleurs. Est-ce que c'est une... Ça nous incite bien sûr à revasculariser ou à ne pas revasculariser. Et maintenant, je pense que les décisions, les attitudes vont changer. Je pense qu'on va faire va poser des questions après chaque intervention. Ça sera... idéal. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Aïcha. Micro, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre présentation et je voudrais poser la question suivante. En absence de possibilité de faire un FFR ou un IVUS, est-ce que vous pensez que les tests d'ischémie myocardique peuvent vous aider à prendre une décision quant à la revascularisation des lésions qui paraissent entre 50 et 80%, type échographie d'effort ou IRM de perfusion? Merci. Oui, merci pour cette question. Sans doute, ça c'est très important et c'est ce que vous allez faire si vous n'avez pas le FFR à l'IVUS. Mais il faut faire attention parce que si c'est 1 mm de dépassement du sacrum ST, une épreuve d'effort normale, ça, ce n'est pas de corrélation bonne avec le territoire des coronaires. Mais si à l'écho, on voit le territoire de la circonflexe, qui a de l'ischémie, il y a une lésion de la circonflexe de 70%. Alors oui, je pense qu'on peut dilater. Et normalement, ça serait bien. Oui. Ah oui. Est-ce que le FFR serait suffisant pour estimer les lésions du tronc commun en association avec l'angiographie, puisque nous, nous n'avons pas l'IVUS, et donc est-ce que ça serait suffisant? Absolument oui. Parce, surtout pour décider si le faire ou le pas faire. Oui, c'est la première étape et c'est très important. J'ai vu beaucoup de centres où on réutilise la sonde d'FFR, le guide d'FFR. Je ne sais pas si vous, si vous pouvez le faire ça ici, mais ça, ça descend le coût beaucoup. Habib? Alors, pour répondre tout de suite à ta question, restérilisation en Tunisie, c'est interdit. Pour n'importe quel produit, depuis quelques années, c'est par la loi, c'est interdit. Tu ne peux pas le faire? Non, on ne peut pas restériliser. La restérilisation est complètement interdite. Mais non, c'est partout dans le monde, comme ça. Presque partout, pas partout, mais presque partout. Ma question, Gas, pour toi justement, elle est un petit peu en rapport avec ce que vient d'être posé comme question. C'est-à-dire que le problème chez nous, ce n'est pas le remboursement de la FFR ou de la IVUS, c'est la non-disponibilité de ces moyens. Et donc, l'angiographie, c'est le seul moyen dont on dispose. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans nos pays, mais dans la grande partie du monde. Et donc, ma question pour toi, est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant revisiter les pourcentages de significativité des lésions angiographiques? On a appris à l'école de médecine que left main, c'est 50%, c'est significatif. Ensuite, on a dit non. Maintenant, toi, tu nous dis 90%, allez-y, moins de 90%, ce n'est pas le cas.
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de revisiter encore une fois ces pourcentages en nous basant sur l'angiographie et avec des études certainement comparatives qui ne peuvent être faites que dans des pays comme l'Europe ou les États-Unis où on dispose de tous ces moyens pour essayer de redéfinir quel est le pourcentage d'une lésion angiographique significative pour laquelle on peut aller dilater sans aucune hésitation. Alors oui, tu me fais penser que ce qu'il faut faire, c'est, alors si on n'a pas le reste des examens, faire une angio réellement excellente. Plusieurs projections avec une bonne injection pour qu'on soit très sûr. Parce que parfois on a des angios, on dit, ah, ça pareil, 60%, mais on n'est pas sûr. Alors une angio très bien faite avec des spider views et tout ça pour voir très bien le tronc commun, et analyser des choses comme le haziness, comme c'est hazy, comment tu dis hazy en français? Oui. Parce que ça veut dire qu'il y a une plaque volumineuse. Alors oui, on peut maximiser la valeur de l'angio pour essayer d'approcher la vérité. Je ne sais pas si une étude va démontrer ce que tu demandes, parce que par définition, l'angio ne va jamais donner les dimensions réelles. Pardon. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que le FFR pour la sténose ostéale n'a pas beaucoup de valeur. On a trouvé également beaucoup d'erreurs dans nos scanners pour les sténoses ostéales, des faux positifs. Est-ce que l'OCT peut donner de bons résultats, de bons... Alors, je n'ai pas eu le temps de montrer les diapos, mais j'ai les données sur l'ostéale du tronc commun. C'est très bon pour ça. Il faut savoir le faire. Il faut sortir le cathéter guide 2 mm derrière pour qu'il y ait du flux normal. Mais si on fait ça, l'FFR est parfaitement bien pour la lésion ostéale. L'imagerie... OCT, IVUS ou d'autres, oui, ils montrent le tronc très bien, l'ostium. Mais on peut faire l'FFR. Kamel. Oui, Augusto, je vois c'est vrai que c'est une question qui est très ancienne et tu nous en parles depuis des années. L'histoire du tronc commun et de sa signification sur le plan surface, sur le plan maintenant fonctionnel avec la FFR, etc. Mais globalement, dans des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc., où les outils de type IVUS, etc., ne sont pas disponibles et où les malades doivent bien être traités, des décisions thérapeutiques prises. Moi, je pense que quand des malades arrivent en salle de cathé et qui sont déjà bien bordés, par des tests d'ischémie, par une clinique, on est beaucoup plus à l'aise pour prendre une décision devant une imagerie quelconque que dans des circonstances où des malades arrivent sans test d'ischémie, avec peut-être un coroscanner qui n'est pas tout à fait... on tombe avec une angiographie qui n'est pas tout à fait... qui ne nous donne pas tous les éléments pour prendre une décision. C'est pour ça que probablement, parfois on fait la coronarographie, ce qui peut paraître ridicule, hein, et on dit au malade, écoutez, vous allez faire un test d'ischémie. Vous allez faire une écho d'obutamine ou une écho d'effort, vous allez faire une scintigraphie. Et je pense que dans nos régions, c'est ça qu'il faut développer, c'est la pertinence des tests d'ischémie avant les examens. Avant l'examen, très, très important. Ce qui aiderait beaucoup à la prise de décision et nous empêcherait de nous sentir pas outillés pour prendre des décisions thérapeutiques, par exemple, sur le tronc commun. Et moi, je pense que le message pratique pour vous tous ici, c'est qu'on voit une lésion à 50%, c'est pas automatique qu'on va mettre un stent là. Il faut penser que peut-être c'est pas le problème du malade. Si c'est 70%, la même chose. Il faut penser que parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai, une lésion significative. Et si on pense à ça et on évalue tous les autres éléments du diagnostic, non-invasif, clinique et tout ça, alors on fait une décision. Mais il ne faut pas sauter sur une image d'angio simple qui donne un numéro estimé et revascularisé. Je pense que ça, c'est le message pratique. C'est une réalité parce que nous avons quelques patients qui n'ont pas les moyens, qui ont refusé l'intervention, qui avaient une sténose aux alentours de 50-60% du tronc, à qui on a indiqué l'intervention et qui ont refusé, et quelques, c'est pas beaucoup, mais on est surpris par l'évolution favorable chez ces patients. Je ne sais pas, est-ce que la clinique peut être utile s'il n'y a pas de lésion de la coronaire droite et s'il n'y a pas, bien sûr, de lésion des deux troncs IVA et circonflexe? S'il y a uniquement une sténose, est-ce que la clinique peut suffire pour faire un geste de revascularisation, particulièrement l'angioplastie? Sans doute, oui. Là-bas, on voit un problème très fréquent. Il y a beaucoup d'hypertension
Alors, il y a de l'hypertrophie. La preuve d'effort montre la dépression d'ST. Ils ont des douleurs de protéines, tout ça. Alors, on pourrait dire, ah oui, toutes les données montrent qu'il y a besoin d'angioplastie. Et c'est à cela qu'il y a une lésion intermédiaire du tronc. On fait un FFR. La plupart du temps, deux tiers des cas, on trouve qu'il n'y a pas besoin. Alors, il faut penser à tout ça et comme bon clinicien, faire une décision à la table. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas automatique. On peut pas sauter, on ne doit pas sauter sur toutes les lésions de 50%. C'est ça mon message. Merci, professeur Pichard. Donc, sans tarder...